Haïdouken. Donc ferme ta gueule. Frérot, tu veux combien? Allez, halal ta viande. Génération maudite. Non, non, mes skin. Oh là là. Quand t'es parti. Voilà. Arrêtez vos conneries là. Oh putain. Non. Radio Halib. Eh ouais, mesdames et messieurs, bonjour, salam alaikum. Ça va les gens, vous allez bien, les choses se passent, alhamdoulilah, impeccable, impeccable, on est bien, on est ensemble, c'est la radio, on est là, c'est la radio M'Tana qui traite de nos problèmes à nous. Je suis en retard, tiens mon paf, voilà, direct, je vais le sortir, voilà. Allô ? Ah, regarde, le premier, regardez-le en direct, sale fils de... En direct, vous avez entendu, Starfallah, oh putain. Non, Inch'Allah, cancer, il se bagnettait en direct à ma radio, c'est dire, moi et ma tête, je le fais triquer, Starfallah, vous avez entendu le bruit. Hein. Le lendemain, j'ai emmené les enfants manger dehors, et subhanallah en fait, comme par hasard. Je passe quelque part en voiture, je tombe sur... Et la soupe, quoi? Excuse-moi, j'avais pas compris. Tu mangeais de la soupe? Non, j'ai emmené les enfants manger. J'ai dit subhanallah, en fait. Ah, subhanallah. Arrêtez, oh voilà. Arrêtez vos conneries, là. Ouais, bref. Ouais, donc, tu es parti avec les enfants. D'accord. Tu vois, moi, à la base, est-ce que tu veux que je t'explique brièvement mon parcours? Moi, si tu veux, à la base, quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai voulu faire une fac d'histoire, tu vois. Mais j'ai très vite compris, je suis passionné d'histoire, mais j'ai très vite compris, en fait, que malheureusement, les facs, comme tu dis... Attends, excuse-moi. Femme, tu m'as vu boire. Imagine ce que je te ferais dans la chambre. Mais alors toi, tu passes 5-6 heures sur ton téléphone. Moi, je passais 5-6 heures sur la télévision en train de regarder Brenda, Brandon chez Beverly Hills. J'étais en train de regarder Dance Machine. Frère, on jouait à la NES, à la Nintendo, à Street Fighter. Haïdouken et tout. Et oui. Allume la lumière, la tête de ma mère qu'on trouve pas. C'est bon, en vrai, cette lumière, fils de pas vu, t'elle. Attends, on va trouver, attends. Frère, on a enfumé la chambre. Attends, oui, c'est un coup. Y'a Hamidou qui monte avec une matraque. Frérot, Wallah. Y'a Hamidou qui monte avec une matraque. Frappe des mains. Lina de Freitas, alors j'ai pas compris. Frappe des mains. Lina de Freitas, elle me dit ça. Lina de Freitas. Déjà, rien qu'à ton blaze, on sait que tu putes la chatte, sale pute. Je sais pas pourquoi. Même mon téléphone, à l'approche de tes cuisses remplies de vinaigre, il doit perdre du réseau. Linda de Freitas. Elle est tombée amoureuse d'un Aziz. Il a dû la mettre en cloque. Elle a shared avec... Avec un... avec la main de Fatima. Hein? Elle est portugaise. Donc elle est un peu robeux. Hein? La niquette ta mère. Là. Frappe des mains pour voir la lumière. Non. Frérot, moi je tape pas des mains. Frère, moi j'ai... C'est l'une des seules vidéos... Et chacun son style. Voilà. Alors attends, allô. Ouais, y'a Pocho, il m'a mis un effet. Je suis dans une allée. Frérot, tu veux combien? Un caramboule? Non, alors ouais. Frère, que frappe? Non, tu sais pourquoi je. Attends. Tu sais pourquoi je frappe pas des mains, moi? Parce que ces enculés, je vous aime trop. Wallah, je vous aime trop. T'as vu eux là? Ils vont enregistrer la vidéo et ils vont faire des montages après. Ils vont mettre un chien derrière et ils vont. Je les connais, c'est mes enfants tous ces gens-là. Wallah l'adim. Après vous dites, ils vous aiment pas Bassem. Vendredi soir à Istanbul, moi je suis chez avec vous, je fais des lives, je vous aime trop. Eux, si je fais ça, ils vont screener. Regardez Bassem, on lui dit de faire ça et puis il le fait. Bande d'enculé, va. Non, je tomberai pas dans le panneau. Essaye frère, fais voir. Essaye, frappe. Non, voilà. Hey, je vous connais les enfants.
Attendez, une otarie dans un cirque, moi, la putain de votante. Attends, attends. Un verre de halib et une date. Frérot, tu nous appelles d'où? Toulouse. D'accord. C'est mais Castres, il se passe quoi là-bas? Toulouse, à côté de Toulouse, Castres, à côté de Toulouse. D'accord. Ah, à Castres. À Castres, ouais. Ouais. Bon, frérot, tu as quel âge? 38 ans, frère. 38 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Tu es marié? T'es en couple? T'es comment? Non, célibataire et au chômage. Je travaillais à l'époque. Oh putain! Oh putain! Je prends pas le train avec toi, moi! Je prends pas l'avion avec toi, moi! Non, non, miskin. 38 ans, célibataire, au chômage, laisse tomber! Ouais, non, mais frérot, c'était de l'ironie! Attention, frère. Mais quel est le sentiment quand t'as bien fait l'amour à une meuf? Tu la regardes, elle va aux toilettes comme ça. Elle va aux toilettes comme ça, boire de l'eau. Elle va comme ça. Et toi, tu remets ta chemise et tu la regardes de travers. Le sentiment du devoir accompli. Hannibal Burth, oh là là. À quand une émission rap 90-2000? L'alliance sera tellement funky. Vigna et Melka, make funky. Oh là là là. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, nous on est des machos, des vrais. Avec des femmes, 42 105D. C'est quoi 42 105D, Bassem? C'est ça. Schweiz. Ouais, les bains de minuit, bien sûr. Bien sûr, quand tu passes devant des égouts, quand il y a de l'eau, la nuit, c'est pas bon. Moi, je crains, moi. Moi, je vais à la plage. Je voyais des gens qui jouaient de la guitare. Hi, Joe, rocking on the... C'était des diables en train de jouer à la guitare. Moi, je regardais par la terrasse, je flippais. Je voyais le mât, c'était tout noir. Non, non, comment ils font, les gens? Ils font des feux, là-bas, ils pinent. Mais jamais de la vie, jamais de la life. Je préfère payer un Formule 1 avec une tête de bouselouf pour manger, hein, que d'aller faire ça sur une plage, ça va pas. Pourquoi avoir peur? Tu es bizarre, mais c'est toi, Bad Karma, je comprends pas. L'eau, c'est pas fait pour nager en pleine nuit. L'eau, on sait qu'il y a un trône. Tu sais que dans les abysses, dans l'eau, il y a un trône là-bas. Faut pas traîner dans l'eau. Après, je sais pas ce que vous avez, vous faites des bains de minuit. Allez-y, hein. Même, tu sais quoi? Même quand tu fais du sport, t'essayes de revenir avec tous les défauts qu'on a après le maghreb. Je prends pas de douche, hein, le soir, pas possible. Tu vas prendre une douche. Tu vas sortir de la salle de bain, tu vas être tout nu, zboub à l'air et tu vas chanter du canté partir. Non, 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 moi je touche pas à l'eau, moi. Non, non, naïne, naïne, non, non, non. Ah, Mulder B, ah, Mulder, chien de périscope, ton pseudo me dit un truc. Depuis 2016, t'es là-bas, tu tapines encore? À la première saison, t'étais là, tu nous tenais le zub. T'es là, tu me parles, dis de l'affaire. Tu lis le journal. Putain, les chiens de périscope, vous êtes là encore? Je comprends pas, moi. Wallah el azim. On vous manque à ce point. Un verre de halib et une date. Putain, j'arrive pas à comprendre, moi. Vous avez pas remarqué un petit peu toutes ces petites traînées qui prennent des photos sur Instagram où elles mettent leur manette de PlayStation et elles disent « Il y a qui pour une partie ?» Et tous les petits clochards, ils vont lui lécher le cul. « Moi, tu m'envoies ton PSN, moi ?» Génération maudite, génération de merde. C'est comme le problème que je te pose. T'es un mec de chez moi. Obligé dans ta vie, t'as vu un mec rentrer dans un kebab, défoncer à la Heineken. Et il demande au mec qui fait les kebabs, hein, « Smahni, frérot, allez, halal ta viande !» Ouais, t'as 5 grammes dans le sang, frérot, tu... Mange un sanglier pendant que tu y es. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frère. T'arrives, la première chose qu'il faut que tu fasses, quand t'arrives dans un endroit, c'est à toi d'aller visiter, voir, prendre la température. Elle descend pas de la voiture. Si ça pue, on change, on va ailleurs. Si ça pue pas, là, tu la fais venir. Une fois que tu l'as fait venir, tu la mets dans un endroit où, voilà, même si tu es en terrasse, tu la mets dans un endroit, après c'est ton comportement qui va tout faire. Demain, t'es assis à côté d'elle, tu croises les jambes, tu fumes les clopes, hein, on dirait une Chippendales, t'es là, tu fumes des clopes, t'as un comportement de tahan. C'est normal que les gens, ils vont pas la respecter. Tu les vois dehors? Ils ont des pantalons... Alors, excuse-moi, j'aimerais répondre à Salim Troudi. Salim Troudi, trou de balle, ferme ton cul, maghrébin fragile,
Celui-là, je le déteste. On n'a jamais dit que les femmes n'ont pas le droit de travailler. La putain de tarasse, on n'a jamais dit ça. Non, on a dit qu'il y a des métiers pour les hommes et il y a des métiers pour les femmes. Non, comme si tu... demain, ta femme, comme tu dis... t'es en mesure de ne pas la faire travailler, pourquoi tu vas la faire travailler, frérot? Tu veux qu'elle travaille, eh ben, tu lui ouvres un petit commerce. Ou si elle travaille, c'est nécessité, fait loi. Donc ferme ta gueule. Voilà. Je comprends pas, vous aimez bien les voitures de bitch. Enfin, je crois qu'ils ont entendu votre message. J'ai vu la nouvelle collection Nike en basket pour hommes. Il n'y a que des baskets roses. Que Allah explose la terre, le système solaire. Que Inch'Allah, que tous ceux qui mettent ces baskets se font des fractures de la malléole. Je veux les voir en plâtre, moi. Voilà. Je fais rapide parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes derrière qui veulent appeler aussi. Tu vois, quand je t'entends parler, par exemple, des blancs, les blancs, moi, ça me fait un peu mal au cœur. Parce qu'un aïe à chaud, un aïe à bon, des aïeries, ou un aïe, je suis blanc de peau. En fait, tu sais quoi, j'ai vu aussi sur certains trucs, les gens, ils se moquent de toi. Ils disent, ouais, regarde, Bassem, il est blanc, et il parle des blancs. C'est-à-dire des noirs, tu sais, qui regardent sur toi. Ils disent, ouais, il est blanc, et il parle des blancs. Alors, faut parler d'européens. Parce que moi, je suis maghrébin, je suis blanc. Je suis blanc de peau. Et quand tu parles de blanc, c'est comme si ça m'attaquait, quoi. Je suis dedans un petit peu. Ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, voilà, le truc, c'est que les... Bon, je parle pas de plus. Stop, frérot, excuse-moi. Il y a un mec de la room, il est flic, il m'a dit que tu viens de recevoir une amende de 135€ parce que t'as fait un excès de vitesse, t'as pas de ceinture, donc tu vas nous donner... Non, ce que je veux te dire, bah, ça me l'a vu, oh, dernier truc, on l'a... Fast and Furious, frère. Non, mais laisse-moi... Rien de Furious. Vas-y, frérot, on rigole entre nous. Salam à toute la team, tout le truc. Ah, je sais qu'ils doivent se régaler. Ah, je sais pas quoi, mais je les kiffe, voilà. T'Allah Alik. Vas-y, frérot, je t'écoute. Vas-y, du coup, je voulais te demander ton avis sur est-ce que tu penses que les frontières vont être ouvertes avant les vacances en été. Ouais, bien sûr. En vacances. Ouais, tu pourras aller en Thaïlande et tout. Bien. Non, au bled. Bah oui, ils vont ouvrir les frontières, frère. Les frontières, elles sont ouvertes, là, déjà. Non, mais c'est pendant l'été, tu penses que ça m'a... Ouais, d'accord, oui. Allez, pendant l'été. Allez, mesdames et messieurs, on revient, on est en pause. Hein. Parfois, je t'apprécie, parfois, j'ai envie de te cogner. Et moi, souvent, de ton avis, je m'en bats les couilles. Exactement, mais frérot, t'as vu, il y a un challenge où les putes, elles dansent que du bassin. Et elles font hop, je sais pas si tu vois. Tu sais, c'est un challenge qu'on voit sur Internet. On voit deux mamans. Alpha, beurette alpha. Hein. On voit deux mamans en train de taper à coups de bout de bois sur le boule de leur fille, qui ont 13 ans. Et après, le jeu, c'est que c'est les mamans qui dansent et c'est les petits qui les tapent derrière. Mon fils, il vient me dire ça. Wallah, je le jette du 11e étage. Je prends le livret de famille, je déchire la page et je lui nique sa mère. Haydouken!